Entrez. Non, non. Marc, je vous ai reconnu, ça y est, entrez maintenant. On perd du temps, c'est vous qui payez la séance. Vous avez reconnu ? Le théâtre ? Ouais. Asseyez-vous, vous allez bien ? Attends. Ah. Bon, alors là. Non. Non. La bise. Bon. Marc. Non. Immédiatement, il n'y a même pas de sérieux de rire. J'ai pas eu de réplique. Tout de suite en piste. J'ai hâte de faire votre connaissance à tous et à toutes. Oh. On lui a rien demandé. Tais-toi, toi, sac à merde. C'est à moi, Crado, elle sonne déjà du fion. Du fion. Alors, précisez-le. Précisez-le. Attends, c'est exceptionnel. Attends. Ma. Attendez, quoi, à quoi on joue là? Oui, c'est ça, on se disait bonjour. Oh. Oh, c'est fou de puer autant. Oh, c'est fou de puer autant. Oui. Oh, c'est fou de puer autant. Pardon. Oh, c'est fou de puer autant. Oh, ouais, un yo-yo, là. Yo-yo. Toc, toc, toc. Qui est là? Marc. Pour le docteur juif. Ah. Il est absent. Alors je pars. Je reprendrai rendez-vous avec lui. Non. Fin de l'exercice. Pardon. Vous revenez. J'ai aucune idée de ce qu'on fait. Oui, monsieur Gonzalez, Hervé à l'appareil. Je l'ai vu voler des trombones, des post-it et de nombreux stabilos. Voilà. D'accord. Il me semble que Emmerich utilise... Bonjour, moi c'est Carole, je suis prof de gymnastique au Sbeul. Je vais pas y arriver. Voilà, je suis entraîneuse de gymnastique au Sbeul. Allez-y, mettez un trait d'huile d'olive, comme si vous mettiez un trait sur tous vos problèmes. Trait ! Très bien. Vous saupoudrez le fromage en Iron Man. C'est top. J'ai décidé de m'engager dans cette émission pour faire régner la justice. Je pense que c'est important. Et éventuellement gagner les 450 euros pour... J'ai décidé de m'engager dans cette... Ah, t'es un enculé. Mais arrête de repartir comme les inconnus. J'ai décidé de m'engager dans cette... C'est bien, non? J'ai décidé de m'engager dans l'émission tout simplement pour faire régner la justice et éventuellement pour gagner les 450 euros pour acheter une machine expresso parce que là, ça urge. T'es une merde, mais t'es une merde. Mais il est fou, ce mec, il est en fou rire. J'ai passé 6 mois dans le coma. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Nul. J'ai passé 6 mois dans le coma. Et puis finalement, on a... Bon, allez, vas-y, allez, parle-moi de là-bas. On regarde comme ça. Marrant. C'est vrai que j'ai passé 6 mois dans le coma et puis après on a... Allez, vas-y, bouge. C'est fou de me desservir autant. Comme ça. Marc, c'est n'importe quoi. Marc, on reprend tout à l'heure. Marc. Marc. Marc, c'est n'importe quoi. C'est, regarde-moi. Marc, à ton avis, sont où les abdos? Marc, dans ton corps, les abdos sont là. Là, tu bosses seulement les omoplates. Ça va être compliqué pour nous de continuer la thérapie ensemble maintenant que j'ai cette information. Du coup, fin de scène. Je sais pas. Non, t'inquiète, je savais où j'allais. Je savais où j'allais. Donc, parlez-moi un peu de votre père. Mon père, il est parti quand j'étais petit. Oui, bah, ça c'est classique, oui, c'est abandon, voilà. Bon, ça doit... Voilà, écoutez, je crois que... Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es parti où, là? Mais il est fou, il m'a dit, je sais très bien où je vais, il va nulle part. Je savais pas où j'allais. Bon. Votre... Ouais, bah, oui, quelle littérature de merde. Si. Bon. Vous
Vous avez merdé, point. Vous êtes deux égoïstes, point. Pas des égoïstes. Et c'est pour ça que vous avez tout bu et que vous nous avez rien laissé. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, double chaussette? Double chaussette, double chaussette. C'est pour ça que vous avez tout bu et que vous nous avez rien laissé. Mais qu'est-ce que tu racontes de double chaussette? Tiens, va voir de la marmite. Bon. Oui, mais oui, mais oui, mais c'est ce bruit qui nous tue. C'est fou. Bon. Votre rapport avec elle. C'est pas possible. Bon. Bah ouais, mais Marc, il m'a promis des bananes et chez nous, il y a un dicton qui dit que... Oh, oh. Et aussi... Non, rigole pas. Mais ça ne pousse pas les bananes, Marc. Bon, Anne, est-ce que tu peux arrêter avec toute ta mozzarella, là? Anne, s'il te plaît, arrête avec toute ta mozzarella. Arrête un peu. Anne, arrête un peu avec toute ta mozzarella. Shakespeare. Attends. Mozzarella, mozzarella, mozzarella. Sommet de bonne bédé. Je suis ce que je dis. Ouais, je suis ce que je dis. Allez, un, deux, trois. Elle l'avait commis. Allez. Elle l'avait commis. Je peux pas! Vas-y, 3, 4. Allez. Attends. C'est bon, je vais parier, moi. Vas-y. Et elle avait que. Votre vote est comptabilisé contre vous-même. Je suis désolé. Aïe, que mozzarella di bufala! Votre vote est comptabilisé contre vous-même. Aïe, que. C'est pas vrai. Votre vote est comptabilisé. Que mozzarella di bufala. On avance bien, Marc. Vraiment méchant. On n'avance pas du tout dans le texte, c'est catastrophique. Vous voulez le rencontrer? Non. Vous voulez le rencontrer? Non. J'entends rien, vous voulez le rencontrer? Non. Vous voulez le rencontrer? Non. J'entends rien, vas-y. Moi je fais le nom. Et qui a eu? Vous voulez le rencontrer? When the beat drops. Stop, Marc. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, vous me faites danser. Moi. Allez, je vais retourner au camp, l'air de rien. T'es vraiment un génie. La transformation, je la vois, j'ai la chance d'y assister. Allez, moi j'ai trouvé des bananes. Blou avec son sourire. Vas-y, attends. Bon, allez, je retourne encore. Ils ont Marc, le manipulateur. Alors, les filles. Bienvenue à Versailles. Voulez-vous quelques gâteaux? Avec plaisir. Oh, wow, pourquoi vous faites ça? Eh bien, c'est la guerre que je vous propose. Vous voulez la guerre? Eh bien, voilà. C'est la guerre qui rend les hommes fous. C'est l'heure de la grande cohabitation. Cohabitation? Oh non. Bah, dis-le, toi. Déjà. Okay. Tu dis déjà. C'est l'heure de la grande cohabitation. Vos deux équipes vont... Alors Voilà. J'ai la pression là, c'est bon. Non mais frère, allez, c'est bon. C'est l'heure de la grande cohabitation. Déjà? Hâtez-vous, arrête.
Bon, mais les gars, c'est du sérieux. Tu rigolais en premier, c'est parce que t'as rigolé. C'est l'heure de la grande cohabitation. Ah, déjà ? Vos deux équipes vont bientôt se retrouver pour n'en former qu'une. Et rigole, car. Ah ouais. Bah alors ? Coquille, bah. Ça, c'est des satyres puants. Ouais, ça porte bien son nom. Et tu sais ce qu'on fait ? On le met dans le cul des orang-outans pour les humilier, ces bâtards-là. Wow. Tu sais, parce qu'ils ont des grands bras, ils nous charrient. Oh les lolos. Embrasse-moi. Pardon. Oh les lolos. Oh, embrasse-moi. Pas de débordement, là. La craquée. La paix est tombée dans la rabale. Pas de débordement, là. Pas de débordement. Elle est folle, elle va nous saccager la journée. Allez, vas-y, toi, on n'a pas le temps. Ah oui. Attends, quoi ? Ok, allez. Non, Paul, moi. Désordonnage. Un AVC. Vas-y. Allez. Ouais, j'avais une mouche dans l'œil, ça m'a gâché le moment. Je peux vous retoucher les cheveux ? Oh ! Je me fais violer par une mouche. C'est à deux pas ! Non, mais vraiment pas. Mais mon bungalow est à deux pas ! Non, mais non. Alors on se donne juste la main. Deux pas ! Non. C'est mon bungalow! Mais je veux pas! Mon bungalow! Il est à deux pas! Mon bungalow! Non, vraiment! Deux pas! Ah non! Et parce que moi, vous croyez sincèrement que je voulais vous toucher les cheveux? Non, mais c'était la chatte! Anne. C'était la chatte, Anne! Non, ça va être trop dur ça! Ça va être trop dur. Ah non, c'était la chatte, Anne ! La chatte ! Pardon. Ah non, c'était la chatte, Anne ! La chatte ! Parce que moi, vous croyez que je fais de la batterie. C'est un hobby. On peut peut-être rattraper le temps perdu, qu'est-ce que t'en penses ? Lolo. Essayer de rattraper le temps perdu. Qu'est-ce que t'en penses, les lolos ? Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis une... Rattraper le temps perdu. Qu'est-ce que t'en penses ? Lolo ? Les lesbiens. Bonjour, vous avez un zizi ? Bah, moi aussi j'ai un zizi. Orchidée. Non, bon bah, pff, moi c'est juste que la cohabitation, elle arrive pas au bon moment pour moi. Je viens à peine d'entendre. Qu'est-ce qu'elle est ? J'ai pas entendu que tu vas ôter. Mais ça, on me dirait un AVC, je peux pas me faire ça à chaque fois. Non, mais là, franchement, ma cohabitation. Je prends ma place. Là. Allez, pars. Comme un banane. Franchement, moi, elle tombe pas au bon moment, quoi, la parole de cohabitation. C'est vous, c'est pas vrai. Allez. On y va. Je vais passer de l'identité du thérapeute à l'identité of Elliot from Manchester. Oh, coucou les sirènes. It's party all night. Qui est le DJ ? C'est un ami à toi ? C'est un ami à moi ? Est-ce que j'avais les droits ? Bref, alors... Comment... Paris ? Oh, savez-vous Musée Grévin ? Oh, Muriel Robin ? Oh. Ah, bicyclette ! Ah. La voix la moins séduisante du monde ! C'est pas un concours de danse, tu veux ? Qui est là ? C'est Marc ! Que voulez-vous ? On parle de lunettes boule-boule. Bou-bou-bou-bou, y a plus de café dans la Nespresso. J'ai perdu... Ah merde, Marc, ok. Celui qui a chanté les spaghettis bolo, il y en a plus quand c'est bon. Pff, ouais. Les spaghettis bolo à vos volontés, ça tâche sur ma chemise.
Merci à tous. Merci à vous. Ça va? Oh là. Marc, ça va? Oh mon Dieu. Attends, je vais le soigner là. Le combo. C'est parce que je me écarte. Marc, ça va? Oh, attends, pardon. Trop d'odeur. Ça va mieux. Oh, toi aussi, tu pues. Quand j'ai les baloches qui collent au fond du saladier, c'est que le temps est à l'humidité. Quand j'ai envie d'être attaché au fond d'une cave et qu'on me tape avec une règle sur les fesses, c'est qu'il va pleuvoir. Appelle-moi par ton nom, ouais, c'est ça, ouais. Appelle-moi par ton cul, le quinca. J'en étais sûr, loin des yeux. Pardon, le texte, mais c'est vrai que c'est pas terrible, le texte. Ah, j'ai mal. Dans la vie? Non, dans le rôle. Mais mon amour, moi maintenant depuis la plantade, j'ai peur. T'as trop bien joué. Ah ouais, je peux plus. Tout le monde me trouve con. On va voir qui. Un chien. Si demain je me faisais éliminer, je pense que les gens iraient dans la rue et ils crieraient, ils manifesteraient. Mais non, on veut pas que Marc parte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? Oh, il nous gaze. Non, en vrai, je pense que... Non, je me suis embardé. C'est nul. Ça n'a aucun intérêt. Le texte est nul. Il était là, il a fait... C'est de la merde. D'être en minorité, ça me fait pas peur parce que... Mais ça va de vous foutre de ma gueule de loin même, alors que je joue, bande de connards. Ils sont là à faire. Vas-y, vas-y, laissez-moi tranquille. Non, non, j'ai pas peur d'être en minorité parce que c'est une situation que je connais bien. A priori, c'est là-bas que ça se passe. Ça. Et dis-le-moi comme le plus grand des aventuriers. A priori, c'est là-bas que ça se passe. Où ça? Là-bas. Ok, on passe à autre chose. Oh la vache, la tristesse. La première équipe sera l'équipe gagnante. J'ai raté là-bas, moi. J'ai l'impression. On va relancer sur le sac de risque. Oui, bon, allez, on passe à autre chose. Ça m'a fait remonter 35 ans en arrière. J'ai eu des tout petits rôles. Allez, tente toujours. Dans ma tête, parce que je ne m'ouvre jamais, faut voir. Oh là 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 là, c'est triste, putain. J'avais tout, j'avais bien remonté le... Non, c'est si, j'avais remonté la pente, je te jure. Non, j'avais remonté la pente. J'avais jamais remonté la pente. Si, j'avais remonté non, la pente. Je te jure que non. C'est pas vrai, Tony. Ça coûte de toi. Moi. Et alors, votre, quand vous voulez parler, c'est moi, tu vois. Mais vous avez jamais été amoureux. Mais vous avez jamais été amoureux. Regarde ce qui sort de mon cul. Putain, c'est House of the Cards, hein. Eh, les Morricos, ça va pas, ça va pas marcher. J'arrive pas à la placer. Attends, attends, on va te la faire. Ouais, je sais. De connard. Putain, mais vous n'avez jamais été amoureux. Putain, c'est House of Cards. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit mal. Mais c'est pas vrai. Il a ici. Oh putain, c'est la maison des cartes ici avec ce mec qui... C'est la maison des cartes. Attends, attends, laissez-moi une chance, laissez-moi une chance. Vas-y, on lui laisse une chance. Oh putain, c'est la maison des cartes ici. Vous savez le truc avec Kevin Spacey là? Spacey, Spacey. Avec Kevin le Spacey. Allez, stop. Hola. Hola. Soy Dr. Marc. Come from France. Por favor, Dr. Marc. Salve ma ira. No puede tener una educación normal. Attendez, pardon, j'ai craqué. J'ai craqué l'air maintenant. Ok. Por favor, Dr. Marc, sauvez ma mira. Je veux le fromage à côté. Je vois ça, c'est fou, vas-y. Bonjour docteur Schwif. Voilà. C'est très dur. Allez vas-y. C'est le petit arrivé avec le sifflement qui me tue.
José ! Pardon, j'ai essayé de monter plus haut. J'ai essayé de monter plus haut. José. P. S. Mi niño. Si. Si, José. Si. Souvenendo quando le tete. José, souvenendo de la madre que donna el tete, tu tete. Tete tu bébé. Si, tu bébé, comme ça. Bébé José. Bébé José, très mignon au début, et après una mierda. Ouh. J'ai voulu la jouer soft avec vous. J'ai voulu la jouer cool, comme disent les jeunes. Mais sauf que... Moi, je suis peut-être débile. Ouais. Mais vous, vous êtes blanc. Oh. Un tout petit blanc, comme ça. Un petit blanc. Ne faites pas parler mon frigo à sa place. Moi, je suis un débile. Oui. Je suis un attardé. Oui. Je suis un petit craignos. Un attardé. Un petit crin-crin. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne suis pas vraiment pâtissier. Et j'ai toujours un couteau dans mon slip. Je prendrai le couteau que j'ai dans ma soquette. Et je te tuerai ensuite. Tu parles de celui-là? Ay, que Dieu, puta madre, que t'as pari, oh, je te veux. On dit Alexandra, on dit pas allez, ra-ra-ra-ra-ra. Tu n'as encore rien fait, hein? Si. T'es sûr, regarde ce que je t'ai fait. Mais c'est un trou. T'es sûr, regarde. Attends. C'est pas possible. J'ai tué mon prof en plastique. Moi aussi, je l'ai tué. Je l'ai tué par amour. Elle avait fait une horrible caricature de moi. Regarde. Franchement, est-ce que je ressemble à ça? T'es encore plus moche. Ah, je vais les manger, la caricature. C'est l'important, c'est de garder l'espoir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est son mec qui fait craquer. Oh, c'est lui. Il dit, il tout calme. C'est le truc que ça fait quand c'est le plus important, c'est de garder l'espoir, ça me fait rire. C'est l'important. Moi, tu vois, j'arrête pas de penser au moment où je sortirai d'ici. Ouais. tu me tues de rire. Putain! Bah oui. Putain de merde! Eh hey, oh! Frédéric Lopez, Mathieu Lopez! Attends. Merci, Aimé. Mon tête aux têtes, aux enfants de Saint-Jean-de-Luz. Et ma mère me dit, Marco, arrête-toi, 21 ans, c'est plus l'âge des couches. Quoi, maman? Il manque un truc, je sais pas ce que c'est. Oula, ça sent mal. 6, 20, 40, 47, 72, 92. Ouah, ça a parti en couche, je suis à 200, là, je suis à 200. Sur l'autoroute de la vie, du soleil, la victoire de la musique. Quoi? Quoi? Rien fait, là? Si. C'est dégueulasse pour ceux qui ont travaillé, hein. Ferme ta gueule, toi, et va chier dans ton sac à patates fritas. Annick? Ouais. Pose dessus. Non, non, non. Il me le fait sans que... Pose dessus. Pose dessus. Vas-y. Bon, Annick, c'est la déception. Ouais, je suis choqué, puis avant tout déçu. Je suis déçu, bon, voilà. On m'avait dit Annick. Va, c'est quoi ce cirque? C'est Jean-Guy, il fait partie de l'équipe des nulos, comme vous. Et je ne l'ai jamais vu. Enfin, souvenez-vous. Enfin, c'est Jean-Guy. Il fait partie de l'équipe des nulos, comme vous. Enfin, Marc, souvenez-vous. Par pitié, souvenez-vous. Non. Très heureux d'être là, de vous rencontrer. Surtout de rencontrer Marc. Marc, je vous en prie, donnez-lui votre SUV, s'il vous plaît. Non. Salaud. Salaud. Non, non. Écoutez...
Écoutez, moi aussi, j'ai une annonce à vous faire. Restaurant, la Coupe d'Or, Bernard et Annick Blancheteau. On y mange très bien, de très bons desserts d'ailleurs. Demandez-les, demandez le chariot. Question suivante. Attends, je la refais, je la refais. On refait celle de Gad, de Cad. Comment tu m'as appelé là? Putain, ça c'est... Genre... Ça c'est pas bon du tout ça. Premier jour, m'a appelé Gad. Cassez-vous! Cassez-vous, toi et tes mocassins, on veut plus vous voir! Cassez-vous! Dégage! C'est pas ce que vous disiez hier! Casse-toi avec ta gueule de con, allez vas-y, barre! Oh non! Mais si! Putain. Un petit coup sur le pommeau. Oui, celui-là. Là? Oui. Ah. Ah. Comme ça? Ah. Quoi, qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure avec le pommeau, là? Vous êtes en train de me faire l'amour. Attends. Est-ce qu'elle ment? Alors, est-ce qu'elle me ment en thérapie menteur? Le mot est lâché. Mensonge. Tuchon. Tuchou. Chou. Joufleur. Soraya. Soraya. Point d'exclamation. C'est à vous de voter. Qui avez-vous choisi de supporter pour cette finale? Genre de l'œuf. Nico. Jacotte. Qu'est-ce que vous faites là? Branlou. Quel est le vrai prénom de Soso? Centre-toi. Allez. Ok, je crois que j'ai trouvé. Ah. Allez-y. Saltambanco. Hein? Pardon. Je suis en finale. Oh, Jean-Guy. Au théâtre ce soir. Et en finale, quoi. Aujourd'hui. Je suis en finale. Hein? Je suis en finale. Je suis en finale. Oh non, mon Dieu, Jean-Guy. Oh.